Bonjour à tous, c'est de nouveau Youn Youn Créa. Donc là, je reviens vers vous pour un petit haul. Alors, j'ai été hier à ma pause entre mes boulots. Entre midi, je reprenais que vers 14h30. Donc j'étais à Action. Et puis là, aujourd'hui, j'ai travaillé que ce matin. Et du coup, là, je sors d'une sieste d'une heure et demie. Ça m'a fait du bien. Parce que du coup, j'ai, enfin voilà, toujours mon sommeil compliqué. Et finalement, heureusement que je travaillais pas cet après-midi, j'ai pas pu récupérer des clés. Enfin bon, bref, comme je suis aide à domicile, voilà, ça a été un peu le cafouillage avec une histoire de clés que j'avais passée à une dame pour sa fille où je travaille chez son autre fille. Et enfin bon, bref. Donc du coup, j'ai pas réussi à ravoir les clés, ce qui m'a entre guillemets arrangé parce que j'ai pu ben voilà, me reposer cet après-midi, surtout que ce soir on va chez une amie pour aller voir le match de la France là en finale avec les enfants. Donc j'ai dit si je me repose pas, je vais pas être en forme du tout. Donc du coup là j'ai été avant de rentrer chez moi, j'ai été à 2 euros. Du coup j'ai trouvé ces petits crayons trop mignons. Voilà, je le trouvais sympa, c'est sur l'euro. Il y a la petite tour Eiffel, il y a le petit symbole, je me dis bon, c'est un souvenir pour l'euro. Donc du coup, pour l'euro. Pour les Jeux Olympiques. Voilà, à chaque fois je confonds. Pour les Jeux Olympiques, donc je trouvais sympa. Donc bah, il était à 2 euros. Donc c'est un petit stylo, je crois que c'est du stylo à billes, ça. Je ne sais même pas. Si, c'est un petit stylo à billes. Hein. Ouais, ah, il est bien. Puis en plus, on peut le gommer. J'adore ces stylos-là. 2 euros, franchement, ça fait pas cher pour des crayons comme ça. Ah, je regrette pas. Il est super. Donc voilà. Ensuite, j'ai envie de me mettre. Je vais vous montrer. J'ai envie de me mettre au art collage. Donc j'ai regardé plusieurs fois des vidéos. Donc là, il y a un format qui est sorti, ACC, où on s'essaie. Donc du coup, j'ai fait un essai. Enfin voilà, j'ai fait ça hier. Parce que en rangeant, bah, j'ai retrouvé que j'avais beaucoup de stickers qu'une amie. Vous allez tomber. Faut que je cale. Oh, ce que c'est pénible. Ah, faut vraiment que je change mon truc, mais je vais finir par en commander un, en recommander un sur celui-là. Je l'avais commandé sur AliExpress en mes tout débuts de vidéo. Je suis désolée, je vous bouge. J'ai peur que vous tombiez. Voilà. Excusez-moi. Voilà. On a arrangé le truc. Je vais encore plus vous faire tomber. Je vous dis, il est vraiment, il est cassé un peu de partout. Il faut vraiment que je le change. Du coup, j'étais rendue, donc là, le format ACC. Donc, si vous ne savez pas, les dimensions, c'est 12,5 sur 7,7, sur 7,5. Et du coup, bah, après, on colle, hein, on fait du art collage avec des stickers, des petits papiers. Et j'ai regardé, donc il y a Rose Bonbon Coco qui fait, et il y a Youyou Laurie qui fait pas mal de choses comme ça, qui montre comment elle range, comment elle procède. Et franchement, j'ai beaucoup regardé et j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, il faut que je me lance. Donc voilà, donc je me suis lancée sur ce petit format-là. Je trouve que c'est déjà pas mal pour commencer, pour débuter. Et puis, bah, quand j'ai été à 2 euros, là, je voulais à tout prix retrouver autre chose pour mon neveu, pour lui offrir. Et du coup, bah, j'ai trouvé ça. Et je me dis, bah, pour faire, voilà, pour faire des essais de art collage, alors je me demande si je collerai pas des feuilles ensemble. Et puis après, il risque d'être épais le cahier. Mais c'est pas grave. Voilà, je vais faire un peu de art collage là-dessus. Voilà, c'est du craft, 2 euros. Pareil, bah, comme c'est 2 euros, il est pas mal. Il y a 160 pages. Voilà. Et c'est du craft, donc je trouvais que c'était bien. Pour faire mon art collage, je vais bien. Donc ça. Ensuite, bah, j'ai trouvé. Donc j'étais contente parce que Action, j'arrivais pas à trouver pour mon neveu. Je voulais lui trouver en feutre, mais j'ai pas trouvé. Donc je lui ai pris ça. Parce que après, ma soeur m'a dit qu'il s'était mis au dessin. Comme je vous ai montré la dernière fois, je lui ai pris un bloc. Et là, je vais lui offrir ça. Voilà. En plus, voilà, pour son anniversaire. Donc, du coup, je trouvais que c'était sympa. Donc, je voulais vous le montrer. Je me dis, bon, si vous avez un magasin, c'est à 2 euros. Voilà, vous pouvez trouver ce genre de choses. Ensuite, donc, j'ai été à Action, comme je vous ai dit. Donc, Action, je me suis pris, c'est en promotion cette semaine. Donc, bah, jusqu'à demain.
Non, jusqu'à soir, parce qu'on est mardi. Donc après, c'est un peu tôt, tard pour vous dire, mais bon, sachez qu'ils étaient en semaine d'action, donc il est à 2,99 €. C'est un agenda scolaire. Bah, il mettait pour. Alors j'ai dit à ma fille, tu veux pas prendre ça pour l'école? Oh bah non, elle voulait pas. Bon. Mais il est pas mal, hein, franchement. Et là, moi, je crois que je vais mettre tout bien organisé pour mes tutos, tout ça, mes échanges. Je crois que je mettrai tout dans celui-là. Surtout mes tutos, mes vidéos. Voilà. Comme là, je vais faire pas mal de choses. Je vais essayer de faire pas mal de choses sur ma chaîne. Donc du coup, je me dis, il va falloir que je sois mieux organisée. Ensuite, j'ai trouvé, donc j'ai pris ces petits tissus, j'ai trouvé trop beau. Donc j'avais vu que Créamélane les a pris. Et du coup, je les trouvais trop beaux pour faire genre une couverture d'album bébé. Voilà, j'ai pris que celui-là. Donc là, il y a des petits éléphants, puis moi j'adore. Sur fond gris. Là, il y a un. Je ne vais pas les défaire, je vais les laisser comme ça. Là, il y a un gris à pois. Et puis là, un beau marron. Enfin, c'est pas marron, un beige avec des petites étoiles. Et puis là, c'est un gris tout uni. Voilà. Toujours bien présenté. C'est du 100% coton. Donc, ils ont l'air pas mal, hein. Et le tissu, je crois qu'il était à. Dans les 2 euros, je crois bien. Tissu, voilà, 2,69 €. Après, ça fait pas cher hein, pour du tissu. Ensuite, je suis contente. J'ai fini par les trouver. Donc, du coup, j'ai pris 3 sachets. Donc, j'ai pris les fameuses enveloppes, là, vous savez. Donc, là, j'ai pareil. Youyou Laurie a fait comme un mini album, pareil, pour faire du hard collage. Donc, je me dis, c'est sympa. Voilà. Donc, j'ai pris mes couleurs vertes. Les couleurs. Donc, c'est des enveloppes, vous savez, qui se ferment par en haut. Ça fait des enveloppes cadeaux. Donc, même pour faire des petits cadeaux, c'est sympa. Donc, là, j'ai pris le rose et le crème. J'aime beaucoup celle-là, moi. Donc, voilà. Donc, là, je crois que c'était 76 centimes le paquet. 79 centimes le paquet. Ensuite, eh ben, j'en ai repris. Donc, j'en ai pris une pour offrir à ma fille. Et une autre que je réserve, voilà. Donc, je pense que là, si elle regarde, elle va savoir que ça sera pour elle. Voilà. Donc, du coup, voilà. J'en ai repris deux. J'ai trop aimé cette petite trousse. Il y en avait. Donc, j'ai dit, allez, je prends. Donc, là, les petites trousses. Alors, je vous avais montré. Hein, c'est un petit set essentiel, un petit kit de beauté. Donc, il y a un petit peigne dedans. Je vous avais montré la dernière fois. Là, je ne vais pas les défaire parce que c'est pour offrir. Du coup. Kit urgence, voilà, c'est 1,99 €. Pour faire un petit. C'est dommage, j'aurais dû en prendre un pour ma belle-sœur. Enfin bon, c'est pas grave. Ensuite, je suis contente, j'ai trouvé ce lot de crayons-là. Donc, moi qui adore offrir, vous savez, faire mes petites boîtes à crayons. Et puis offrir des crayons. Donc, ils sont très jolis. Ils sont dans les tons pastels. Donc, il y a même du bleu. Donc, ça peut même aller pour des hommes. Il y en a 15 dedans. Franchement, ça fait pas cher. 1,49 € les 15 crayons. Donc, ça, c'est chouette pour mettre dans des petits envois. Ensuite, j'ai pris ces rubans-là. Donc, j'ai pris que ce lot-là. Voilà. J'ai trouvé très joli. Le rose, hein, ça fait un peu un vieux rose. Ça fait des vieilles couleurs. Voilà. J'ai pris que cette couleur-là. Donc, au niveau des rubans. Je vois plus. Bon, quand je le verrai. Ruban volant sur bobine, 94 centimes. Ensuite, j'ai pris pour mon fils. Donc, j'ai encore pas donné. J'attends de voir. Voilà, je leur offrirai un peu plus tard des petits cadeaux. J'ai pris des petites balles rebondissantes. Voilà. Et puis, donc je me suis. Alors, je suis contente, j'ai trouvé ce bloc. Bon, j'ai rangé ce week-end, j'ai vu que j'en avais plein, mais celui-là, j'ai dit vraiment, je craque sur ce. Alors, du coup, j'ai bien vérifié, je ne l'ai pas, parce que des fois, je ne me rappelle même plus. Mais non, non, je ne l'avais pas, et je suis contente parce qu'il est trop beau. Donc, nous, on a eu du retard hein, sur l'arrivage des blocs, mais il est super joli. Pour faire un album, pour un voyage, franchement, il est magnifique ce bloc. Vintage, mais très beau.
Voilà. Donc, bah, je suis contente, je l'ai trouvé, j'ai fini par le trouver. Je vous le montre un peu vite fait. C'est même ça, on met une photo, on fait dans un cadre, on scrape une photo. Franchement, ça peut être super joli. Et mettre dans un cadre. Voilà. Voilà. Bon, après, je pense que vous le connaissez, c'est le Travel Memory. Voilà. Et puis bah autrement j'ai pris des sockets. Bon ça c'est pas du scrap. Voilà. Et j'en ai pris une paire ce matin. Donc les sockets c'était. Ah non, c'était pas en semaine d'action. Sockets, je sais plus. Combien elles sont. Je sais plus. Je les ai vues tout à l'heure là. Bon, je sais plus. 2 euros. Ça devait être dans. 2,59 €. Bah, j'aimais bien en blanc comme ça. Quand je vais mettre des petites baskets, puis à mon pas. Donc là, bah, ça, c'est, j'ai pas acheté. C'est ma copine, juste Marise, qui m'avait donné pas mal de choses là pour faire le art collage. Marise chez Dotal. Du coup, elle m'a donné ça. Donc, bah, super, parce qu'elle ne peut pas les utiliser avec les enfants. Elle est assistante maternelle. Et elle dit ça coule trop fort pour les enfants. Donc, du coup, elle les avait pris pour bricoler avec les petits et finalement elle va pas s'en servir donc elle me les a donnés. Et puis voilà. Voilà pour donc bah moi je suis contente, je vais les mettre là-bas. Du coup, merci Maryse. Elle va voir parce qu'elle aime bien me regarder. Donc un petit coucou à toi Maryse et merci encore. Et puis voilà, donc j'ai toujours pas trouvé mes encres malheureusement. Donc, bah, j'en ai parlé. Marie, je sais qu'elle va aller voir à Saint-Nazaire. Donc, il faut que je lui envoie les photos. Peut-être qu'elle les trouvera. Et moi, comme je vais chez ma maman vendredi, je vais aller voir aux Actions de Saint-Géréon. Donc, on verra bien. J'espère les trouver. Bah, après, si je ne les trouve pas, tant pis. Voilà, je vous dis à prochaine fois. N'hésitez pas à liker. À vous abonner et puis je vous prépare le petit tuto. Alors j'ai vu là, ça vous a plu la petite boîte et j'ai vu la petite boîte et c'est vrai que Maryse Doudoune elle a donné une idée où on peut faire une petite commode aussi et c'est vrai que j'y ai pas pensé pour faire des petits rangements, vous voyez? Donc ça peut être sympa. C'est une idée ça aussi et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Donc merci Maryse. Et puis voilà, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on se donne des idées les unes aux autres, c'est vraiment de l'échange et j'apprécie beaucoup voilà, cet esprit en fait d'échange. On apprend par les unes avec les autres, enfin c'est chouette. Donc voilà, je vous dis à la prochaine fois, scrapez bien, scrap bisous!